Le clan Delon n'a jamais été si déchiré. Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon se sont déclarés la guerre après le dépôt d'une main courante de l'aîné contre sa demi-sœur et de graves accusations. Plusieurs personnalités ont pris position. Parmi celles-ci, Estelle Lefébure. Le 4 janvier dernier, Anthony Delon expliquait dans une longue interview accordée à Paris Match avoir déposé une main courante le 7 novembre contre sa sœur Anouchka qui aurait, d'après lui, dissimulé des résultats médicaux de leur père, qui serait très affaibli. Elle voudrait le ramener en Suisse pour éviter d'avoir à payer la taxe française à laquelle elle sera soumise quand elle héritera de son père, 50% de sa fortune. S'il reste en France, ce qui est son souhait, il veut mourir à Douchy. Une parole que les frères Delon veulent faire respecter. Mais Anouchka a assuré sur le plateau de TF1 vouloir l'emmener en Suisse pour une autre raison, simplement pour poursuivre le traitement médical indispensable pour sa maladie. Dans la foulée de son passage sur la Une, son petit frère Alain Fabien, qui a porté plainte contre elle, a diffusé sur Instagram un audio dans lequel Anouchka s'entretient avec son papa, et lui dit qu'on le fait passer pour un débile. Elle lui conseille de se méfier et dit d'elle-même qu'elle est fatiguée de la situation. Un audio également partagé par Anthony Delon, et auquel a réagi Estelle Lefébure dans les commentaires. Estelle Lefébure soutient Anthony et Alain Fabien Delon. Courage à toi, mon cher ami, et à ton frère, a-t-elle déclaré, soutenant ainsi les frères Delon. Pour rappel, en tant qu'épouse de David Hallyday, Estelle Lefébure a vécu une querelle familiale relativement similaire, même si contrairement aux Hallyday, l'affaire Delon n'est pas une affaire d'héritage d'après Anthony, puisque quelques mois seulement après le décès de Johnny en décembre 2017, ses enfants aînés et son épouse Laetitia s'étaient déchirés devant les tribunaux, avant de finalement parvenir à un accord. La maman d'Ilona et Emma Smet peut donc estimer savoir dans quel genre de situation se retrouvent Anthony et Alain Fabien Delon, et les soutenir dans cette épreuve difficile. Rappelons qu'elle n'est pas seule à les soutenir. Capucine Annab l'a fait cette semaine. Tout ça est du passé pour moi, mais pour avoir côtoyé la famille Delon quelque temps. Soutien inconditionnel au garçon, a-t-elle déclaré il y a deux jours sur son compte Instagram. Elle a pour rappel vécu une relation avec Alain Fabien Delon. Précisons enfin que Rosalie Van Bremen, la mère d'Anouchka et Alain Fabien, a réagi elle aussi, et que dans une autre affaire, les plaintes déposées par Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon contre Hiromi Rollin, qui auraient harcelé leur père, ont été classées sans suite.